Allez-y. Alors Nicolas se pose la question d'amener ses enfants, ses jumeaux chez ses beaux-parents. Il doit prendre les transports en commun. Et il rencontre habituellement beaucoup de difficultés. Par exemple, une vraie question qu'il se pose, c'est l'accès aux transports en commun comme usager. Le métro, c'est compliqué. Il y a des tas de portes, des tas d'escaliers. Il fait chaud. Parfois, il y a beaucoup de monde. Il y a des couloirs interminables. Et puis, la sortie, il faut trouver la bonne. Et pareil, c'est la même difficulté à la sortie. Alors, on a imaginé pour vous une nouvelle application qui vous permettrait d'anticiper votre voyage et de le préparer au mieux pour vous rassurer sur tous les éléments qui étaient des incertitudes sur votre parcours. On l'a appelée Sherpa ATP, une application qui vous permet de visualiser en 3D le parcours que vous allez réaliser, mais également de solliciter des utilisateurs de la RATP ou bien des membres de la RATP pour vous accompagner. C'est ceux qu'on a appelés nos Sherpas et qui vous faciliteront votre voyage à toutes les étapes. Nicolas est désormais rassuré, son parcours est balisé. La RATP a une bonne image de souci du bien-être de ses utilisateurs. Pour ce faire, la RATP doit mener un certain nombre de changements. Par exemple, pour mettre en œuvre cette application, elle doit cartographier tous les couloirs, tous les accès et tout le parcours des usagers sur les différentes lignes de la RATP. Elle doit former ses nouveaux Sherpas à la relation client et à toutes les problématiques qui peuvent se poser. Elle doit mettre à jour en temps réel les infos qui permettent à chacun des parcours d'être à chaque fois le plus juste possible et puis communiquer sur son nouveau service pour que tous les utilisateurs l'utilisent au mieux dès sa sortie. Comment se sent Nicolas ? Il se sent super bien, il est hyper content désormais.